endroit ressemble à un laboratoire. Tu as raison, on fait d'abord un crochet par le château du vampire. Vampire ! Ne vous en faites pas, il ne doit pas être si effrayant. Venez ! Je trouve cet endroit très sinistre. Tu as raison, moi aussi. Il y a une pancarte. Encore une chance que je sache lire le vampire. C'est écrit ceci. Attention, ne montez pas les escaliers. Je partage cet avis. Moi aussi. Bien essayé, les monstres. Allez, venez. Eh, c'était rigolo. Et si on recommençait? Non, une fois ça suffit. Hé, venez, je vois de la lumière. Je vois de la lumière dans cette pièce. Ouh, vampire? Y a quelqu'un? Je ne crois pas. Non, je ne vois personne. Je ne vois personne, moi non plus. Wait. J'ai peur des chiens et des chats aussi. Mais le pire, c'est les chauves-souris. Leurs ailes qui battent par-ci, par-là m'effraient plus que n'importe quoi. Ne le prends pas personnellement, j'ai toujours peur de toi. Vraiment très peur de toi. Je n'aime pas avoir peur. Je préfère les tartines au beurre. Mais quand tu voles autour de moi, je suis aussitôt aux abois. Ne le prends pas. J'ai vraiment peur de toi. Pour un vampire, croyez-moi, c'est encore bien pire parfois. Les loups-garous, les momies me font trembler dans mon lit. Ne le prends pas personnellement, mais j'ai très peur de toi. Vraiment très peur de toi. Et pas seulement de toi. J'ai peur de tout, tu vois. I feel like we should step back. Take a deep breath. Looks like you could use a guidance counselor's help. Non, je n'ai pas peur. D'ailleurs, vous savez quoi? Non? Ben, aucun de vous n'est effrayant. C'est vrai. Tu as raison. Je suis le vampire Pablo. Ravi de vous connaître. Moi aussi. Enchantée. Oh, misère. Alors, vampire Pablo, voici une lettre très confidentielle de Madame le Savant Fou. C'est la première fois que je reçois une lettre confidentielle. Cher vampire Pablo, ne te fais pas de mauvais sang. Mais je voudrais t'inviter au goûter d'anniversaire surprise d'Austin qui aura lieu dans mon laboratoire. Mais rappelle-toi, c'est un secret. Alors, pas un mot de tout ça, Austin. Et alors, que dit cette lettre? Ah oui, je connais la réponse. Je suppose que c'est un secret. Oh, misère. Rien, je vous ai retrouvés tous les... Je vous ai retrouvés tous les trois, alors dépêchons-nous de retourner au laboratoire. Venez.